Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, premier épisode du tuto des noobs. J'ai décidé de faire cette série pour les personnes qui débutent sous Raspberry Pi. Tout le monde est un noob. Je suis, même moi, un noob. Vous êtes des noobs. On a tous été noobs un jour. Ne prenez pas le mot noob comme péjoratif de ma part. Quand je vous dis noob, c'est débutant. Si par contre, vous jouez contre moi à Tekken 7, vous serez des noobs, mais ça sera différent. Bref. Donc aujourd'hui, je vais vous apprendre à préparer votre carte SD. Pour cela, nous allons avoir besoin d'un logiciel. Donc je vous conseille SD Formateur 32 qui fonctionne très bien. Donc je vais vous mettre le lien dans la description pour pouvoir récupérer ce logiciel. Une fois téléchargé, nous allons installer. Dès que vous avez fini de l'installer, on va préparer votre carte SD. Vous récupérez une carte SD que vous insérez dans votre ordinateur. Vous allez lancer votre logiciel. Vérifiez bien la lettre de votre lecteur. Il m'est arrivé plusieurs fois d'effacer un de mes disques durs et j'ai pleuré. Bref, vérifiez votre lettre de lecteur. Je sais personnellement que mon lecteur, c'est le lecteur G. Il va falloir activer les options. Donc on va la préparer en full erase. Et ici, on va ajuster la taille de la carte en capacité maximale. Donc je vais valider sur on. Une fois fait, il suffit simplement d'appuyer sur la touche format. Il va vous demander si vraiment vous voulez formater. Au cas où, vous regardez toujours votre lettre de lecteur, on ne sait jamais, et vous validez sur OK. Voilà, je sais qu'il a formaté ma carte en FAT32, que mon espace de disponible est de 28,9 gigabits, et on va être prêt à installer votre système. J'espère que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. D'autres tutos arrivent très bientôt. Je vous dis au revoir et à bientôt sur le tuto des noobs.